chère patrie, puissante et fort à tous les yeux, nous te voulons terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué à leurs enfants, nous qui t'aimons avec ardeur dans la mêlée. Pour ton salut, nous lutterons. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Mon cher, c'est même une question pour vous. Je suis en train de décaler la musique sur une question. Est-ce que vous jeunes? Bonjour, moi. Puis cheveux blanches ou là, frère. Il dit, musique ça va pour vous. Pour qui est-ce que vous? Pour moi, tout le monde 2000 moi. Pour tout le monde 2000. Tout le monde qui en a? Tout le monde 2000 moi. Soit distant ou pas. Tout le monde 2000 non? Non, c'est mon 2025. Ça me devait dire sur question jeune nan, yo souvent dit jeune nan c'est un état d'esprit. Donc on monde qui a gagné 100 ans, 1000 ans donc depuis penser le jeune, les pas jeune monde sans autre pardon. Pas jeune à partir de 12 ans jusqu'à année 25 jusqu'à 25 ans etc. Comme pas oublier chaque les pas comme ça pour tout pays. Un pays qui dit mais qui la joue jeune qui la joue jeune. Qui paye? Qui paye? Il me passe paye. Qui paye, patron? Les de 12 à 25 ans. Mm-hmm. Mais qui paye tout, c'est 12 à 30 ans. Oui, il n'y a pas pour même payer. Bon, ça a été à vérifier. Oui. Très à vérifier. En effet, c'est... Parce que souvent, on a toujours pris excuse que ce prêt-là, jeune, son, oui, état, son d'esprit, état d'esprit. Oui, bah... Et que c'est et pas puis... l'âge qui comptait, etc. Bon... Mais quoi raconter tout, capacité physique, voilà, capacité physique et mentale, vous comptez tout. Oui. Mais bon. Pardon, et ça a raconté. Mais ça arrive que les gens qui ont dépassé 30, 45 ans, et puis ils ont toujours un esprit jeune, ils ont fait des activités qui ont pour jeunes. Pendant que. Esprit jeune avec jeune. Esprit jeune avec jeune, c'est pas. Voilà. Il y a un quotient intellectuel qui est capable de développer, qui n'a pas développé tout. Par exemple, d'accord, il y a quelqu'un qui a 50 ans et David qui style était Timoun dans la mentalité. Vous comprenez? Donc, esprit jeune avec jeune de manière physique, bah, c'est même pareil. Est-ce que nous là pour nous touiller espoir pour nous dire pas jeune? Non, mon cher, scientifiquement, vous pas jeune en tout cas. Eh bien, voilà. Messieurs, dames, si vous gagnez 60 ans, vous gagnez 40 ans. Moi, c'est dit, messieurs, dames, moi, c'est après. Vous captez des podcasts. Oui, je vais tout dire ça. Moi, quand on gagne, messieurs. Si nous gagnez 60 ans, 40 ans, bon, depuis qu'il y a 30 ans, oui, nous mettons, c'est mis avec David dit, non pas jeune encore. Et bien, bah, nous non, dire, moi, je dis scientifiquement. Scientifiquement, non pas jeune encore. Même tout cela, ça me pense, il va obliger et y a une vérité absolue. Bon, parce que comme gagne un jour qui déclare tout comme journée mondiale de la jeunesse, c'est 12 août. 12 août, combien de monde qui fête comme étant jeune qui pas jeune? J'y vais. Combien de monde qui fête chaque année? Donc, qui est-ce que c'est qui t'a lancé par les adhérents? C'est les Nations Unies qui t'a lancé. Mais quand il y a un aptan pour Stanley, souhaiter tout le monde une bonne fête. Gagne une sorte de la bienvenue. Bon, peut-être qu'on réclame, peut-être qu'on fait pour. Premier clan pantelé, on a porté une camionnette qui tombe. Ah oui, oui. Stanley, oui. On garde les clans. Monsieur, nous pas. Stanley, on garde les clans. Non, on te garde. On te garde. Monsieur, on te garde. Premier clan noir et blanc, ni bac long. Oui, oui. Bon, pas de ni bac long. Mais on te garde pantelé avant. Bon, dès qu'on garde les clans, Chico, Lac, les bons gouttes, les deux, bon, mon petit moniteur, mon petit moniteur. David, on n'a pas les bons. Et c'est ça, moi, qu'on garde, mais c'est mi. Parce que c'est mi qui a dit, là. Non, mais pas bien, après, c'est sur YouTube, mais sur YouTube, nous, donc, ça nous mettons nous deux à contre moi. Oh, ça y est, on comprend, mais ça me fait. Internet, tu as beau, nous font match sur moi, là. Bon, m'bède. Ok, est-ce que vous pas de guette en voter dans l'élection 2004 là? Non, en fait, ça arrive, je ne pas. Non. Oui ou pièce, non. Pas de faire pièce là. Et comme si on avait une difficulté de faire pièce là, je pas de faire pièce là. Même. Non, je ne sais pas. Vous avez gagné l'âge. Vous avez gagné l'âge. Vous avez gagné l'âge. Bon, finalement, il faut m'essayer de faire la raison. C'est un match qui a fait ce moment. L'élection de 2004. C'est un match qui a fait ce moment, monsieur. Mais, monsieur, pour en quitter, pour quitter le parti, bon, il faut nous arriver. Mais, on a parlé de combien de gens qui fêtaient et jeunesse en Haïti. Est-ce que. Qui fait nous parler pour jeunesse la vraie?
Est-ce que c'est bonne question, c'est qui, est-ce qu'il y a un jeune conséquent dans le pays, est-ce qu'il y a un jeune qui a réfléchi pour l'avenir, est-ce qu'il y a un jeune qui a réfléchi pour l'autre pays? Bah c'est sa question, ça peut être plus conséquent, hein, David, dans le moment ça. Non. Mais c'est pas d'une faire match sur tout le monde. C'est un match qu'on a fait. Mais ça me dit, c'est que, attendez, pour ta fête, jeunesse, faut que ta gon, faut que situation t'a appropriée. Mais vraiment, ou dans situation, ok, n'a dit, ou bien 45 ans, ça, t'a de faire la jeunesse ou pas faire en Haïti. Prenons le cas de, on pas qu'elle bonne situation. Ou jeunesse, yo dit jeunesse c'est une occasion. Ou jeune. Non, jeunesse, on va parler aussi, papa. Mesdames, il va avec ma parler, il va avec ma parler. Oh, mesdames, il va avec ma parler. Monsieur, il va avec ma parler. Bon, on parle de sexisme, mais ok, pour nous dire non, pour nous dire non, et à l'âge où gain, leur jeune, donc on peut dire jeune, non c'est son moment de profiter dans ces bagages, pour par exemple jeune, carrément, mais dans moment là, on peut pas donner tout gars. Dans moment là, en sérieux, est-ce que jeune n'a pas le droit à ça? À qui ça, patron? Avec des cas différents. Oh, si vous faites une guédoire. Et ça ne va pas. Doit pour faire une guédoire. Profitez donc ces deux bagages tout. Pour par exemple. Le jeune, c'est le moment où tu as accès à ta table, tu as dit, le gars, il ne peut pas faire. Et pendant le jeune, tu as dit, ou aller dans le cinéma, ou peut-être aller dans un match de football. Mais ça, c'est presque interdit en Haïti. Donc, le jeune, non. Ou presque pas jeune, oui. Bon, pasteur Grégory, il va le tourner avec le cinéma. Oui, Delma 19. Et dès qu'on a le cinéma, ça, il a un balle sur le grand monde. Monsieur Antoine, dans ce sujet, on parle de jeunesse, c'est des messieurs. Dès qu'on a parlé, là. Oui, bon. Bon, même David, comme. Tant de lever pour un bail au plus sérieux, bah, c'est ça. Comprendre que situation payant et pas propice avec jeune yo pour jeune yo t'as vraiment expérimenté et montré ou du moins prouvé ça au café. Parce que souvent dit la jeunesse ou du moins les jeunes sont l'avenir du pays ou du moins et c'est sous jeune yo pays à compter pour assurer sa relève là. Même souvent dit jeune yo pas seulement et futur pays, mais plutôt c'est présent pays, même si ça me toujours dit. Et ceci est tellement vrai, dans pile organisation qui a milité dans la question émancipation jeune et dans la société, que m'estime le travail a fait un peu louable. Et en ce sens, tout me croit que cause jeune, donc qui ont fait une cinquième causerie, donc cinquième édition de causerie chaque année sur la jeunesse. Et Anessa et David, moi, ils ont porté attention sur la participation jeune dans la vie politique pays, ou dans l'élection de pays. Ils ont combattu, ils ont dit, tout, ils ont fait, si vous répétez que c'est voix jeune compté. Oui, voix jeune compté, oui, voix jeune compté. C'est ton hashtag qui était très populaire. Oui, voix jeune compté. Et pendant qu'on parle de ça, faut que il y a des gens qui dans tête li a m'gen doute sur capable sur jeunesse li sonel Joseph. Bon, André Lesonel pour demander s'il jeune et puis nous dans qui optique causer jeune toujours organiser et activité ça ou du moins causer ça chaque année dans l'idée pour que capable promouvoir jeunes, promouvoir l'émancipation jeune. Et faut que nous disons tout ça, nous te poser question avant, moi des le jeune. Et pas me poser question avant. Non, et vous te poser. Moi poser l'avant. Lesonel attend de la comprendre. Sonel Joseph, comment nous y est? Ah ben non, ça me gâte. Monsieur qui avait là David avec Stanley, dit me poser question avant de commencer parler. Pour moi d'où est-ce que jeune? Comment? Négio dit moi d'où est-ce que jeune? Je n'ai pas fini. Monsieur Sonel, bienvenue dans un podcast Entretien 2000 qui c'est polymatique. Donc, je dis là, nous décidé de mettre focus nous sur la question jeune en Haïti, sur la question à quel âge nous sommes capables de dire jeune toujours. Moi et Stanley qui beaucoup d'aimer, qui dit qu'on a le triomphe, qu'on garde le premier réclame noir et blanc. Qui convient? Unibank. Unibank, et puis là, je les jeunes. Bon, en fait, jeune là, moi, c'est sociologique là, on peut pas négliger l'aspect biologique là qui dit, donc à tel âge, c'est un jeune, et puis à tel âge, on est adulte, ça c'est l'aspect biologique là, mais on peut pas oublier tout, il y a des sociologues qui réfléchissent sur la question en tout, et comme exemple, je crois, Noémie, comme il y a un sociologue qui écrit sur la question ça, il dit que, l'âge là, il y a un aspect, psychologique la dernière un aspect sociologique qui fait que donc mentalement pour capable considérer comme jeune
Se jen. Non pa mè. Yon sa yon pa olge moun sa wot wil ye? Nou sa ka, bon, nou sa ka kompren li konta, mè son pa ol tou ki gen tout importansi dan le sens ki rassemble plus moun a kouz jenestan, dok e fek plus moun enterese ou di mè senti ki yo konserne, senti ki yo kapap bay le bra ou ti fote la mè fote a jenestan. Dok pou mwen mèm a chak pa ke on gran moun ou di on moun ki a aje, li mèm li chwazi konsidere tèt li kom jen, mwen di ben pa gen problem, mè de la mezi ou, ou pa solman konsidere ou kom jen, mè ou gen yon des aksyon ki wap pose egalman, pou mèt ke ou poton sèten kontribisyon a bienèt ou dimensyon bakonè a revendikasyon, a satisfaksyon revendikasyon jen yo. De pou ap pense pou jen, pa gen problem ou mèt dou jen. Mè si se di ou jen pou pren asos sou jen, si se di ou jen pou itilize jen, la se mechansite. Bon, tan de stan le sa, se sispan fè mè chanste sou mè dami. Non, mè pa fè sa. Sispan iti se jen. Sonel. Ou an registre tout bagay. Sonel, wapè. Sonel. Sonel, kom mwen avose, an te ka di se degè moun san, nou re nou din jen, an fè kosou nek sa otou nou. Pik lò moun sa yo. Ok, baby, c'est Sonel. Bon, Sonel, pratiquement là, nous allons nous poser une question sur les jeunes. Et on a peut-être causé les jeunes qui, toujours, pratiquement depuis 5 ans, ont organisé des causeries autour de la jeunesse. Et Anessa, nous avons décidé de mettre focus nous sur la question de participation des jeunes dans l'élection et qu'on a hashtag qui était vraiment viral sur les réseaux, voir les jeunes compter. Donc, dans quelle optique, Anessa, nous avons mis focus nous sur la question de participation des jeunes dans l'élection? Nous pensons que nous avons une période quand même qui est un petit peu pour électorale, même si nous n'avons pas dit que l'élection pour aller réaliser. Pourquoi demander Ariel? Ariel peut-être pas, je veux qu'on le fasse. Pourquoi? Je veux qu'on le fasse? Donc Sonel. Ouais. L'autre, je veux qu'on le fasse. Donc, Ariel, c'est demander, et demander pour le faire pour le faire? Bon, en fait, nous connaissons la réalité. Nous connaissons la réalité qui a eu dans le pays. Nous connaissons Ariel qui l'a toujours dit, même comment on met. Donc, c'est un tweet qui est mis là. Même genre, on tweet. Et même genre, nous pensons qu'il y a un peu de monde dans la population a baissé. On tweet également, peut-être pour Ethel. On fait un tweet pour nous faire l'élection en tout. Comment? On fait un tweet pour nous faire l'élection. Bon, et il y a un autre tweet également pour dire le faire élection. Donc, de la mesure où vous voulez qu'Ariel fasse élection, élection à fait. Ok. En ouais, non, raison de faire noter mettre focus sur ce sujet. Ça va là, non? Ouais, à tout enregistré, pas inquiète. Ça va là, non? Oui, moi, j'aime ça que nous mettez focus, j'aime de la sur. Thème ça, ou de sous question processus électoral là, c'est parce que nous avons une période vraiment qui est pro-électorale. C'est une période que nous pensons que jeunes nous devons sensibiliser pour que nous mobilisions pour participer dans le processus électoral en Haïti, quel que soit l'heure qu'a fait. Et nous sentons qu'il y a des mouvements qui ont commencé à faire, bien sûr, comme par exemple, il y a testé l'opinion publique à la question de monter camp, monter CEP, il y a testé l'opinion publique là sur question. Qui moun kap désigné, qui secteur kap désigné moun pour représenter un DPEP. Nous disons, nous-mêmes comme jeunes qui sont, comme nous disons, nous-mêmes comme qui, la jeunesse, n'ont pas qu'à arrêter indifférent. Donc, il faut que nous fassions sentir que nous existons, nous fassions sentir que nous là également et que nous envie également participer pour nous bailler l'idée par nous, pour nous bailler mot par nous, ce qui fait que ça fait. Donc, dans l'optique, ça, nous avons choisi. Et cinquième cause, il y a autour de ça pour que nous sensibilisions les jeunes davantage, pour nous faire reconnaître que comme jeunes, voient nous compter tout côté, nous compter dans le conseil électoral provisoire qui a bien pour organiser l'élection, voient nous compter dans toute machine électorale là, voient nous compter dans toute sphère de décision, voient nous compter dans le gouvernement et voient nous compter dans tout espace en général. Décision qui a pris et qui a des conséquences bien sûr sur l'avenir pays. Donc c'est ça nous toujours prenons tout, dans tout espace, il faut que les jeunes présentent et disons ce qu'ils ont fait, mais principalement
Je dis, vu que nous avons une période pro-électorale, nous avons également un processus électoral pour nous dire nous-mêmes comment que nous souhaitons ça. Et nous, pratiquement, c'est pour des causes bien autour de ça, pour nous sensibiliser les jeunes, pour nous faire reconnaître que voir au compte. Et maintenant, pour nous prendre un engagement, pour nous dire voir au compte, pour faire sentir que voir au compte réellement. Oui, Sonel, là. Bon, là. Oui, et mais qui est-ce que nous devons prendre des résolutions comme si nous pensions vraiment vrai qu'à passer, nous pensions qu'à passer à. Est-ce que d'après nous-mêmes, rassemblement que nous faisons, est-ce que nous pensons vrai si le conseil électoral qu'a monté, il a tenu compte de nous vraiment vrai? Je pense que je dis, les rassemblements pour sensibiliser, mais c'est une première étape, nous pas fini. Et nous avons travaillé sur un cahier de charges et c'est ça, nous recueillons ensemble l'idée de la part de jeunes. Donc c'est pas un rassemblement que nous faisons seulement pour nous réunir ou juste pour nous venir parler seulement. Mais c'est un rassemblement côté que nous devons travailler, nous devons partager l'idée, nous devons donner l'idée. Donc ensemble l'idée ça, nous avons compilé à travers un document que nous voulons et cahier de charges de la jeunesse haïtienne vis-à-vis du prochain processus électoral. Côté que nous permettons pour que nous soumettons cahier de charges à ensemble acteurs qui concernent par question élection, comme par exemple le gouvernement, la communauté internationale, tout l'autre acteur qui est impliqué dans le processus électoral, on a bien nous soumettre cahier de charges avec eux et me dire au fait au fort de qui ça nous-mêmes la jeunesse que nous faisons, qui ça que nous-mêmes nous souhaitons qu'il fasse pour que nous ayons une meilleure participation de jeunes dans le processus électoral. Mais on comprend également pour qui ça, il y a une éventuelle participation de jeunes importante dans le processus électoral. Bon, je pense que peut-être parce que il y a beaucoup qu'on est important participation jeune dans le processus électoral qui fait que peut-être pas n'est pas intéressant à ça. Donc nous-mêmes, nous avons obligé sous ça pour nous dire voilà, mais pour qui ça que participation jeune est importante, eh bien, et mais qui ça qui nous fait, c'est pour favoriser, nous avons dit, ou pour faciliter une participation massive de la jeunesse dans le processus électoral. Qui est important, ça bien, qui ça va apporter comme résultat également à PIA. C'est pour ça que nous disons bien que c'est une étape que nous franchissons, mais la prochaine étape est à venir parce que nous-mêmes, l'année dernière, nous avons fait quatrième cause et sous, nous avons dit, terminons l'autre génération pour l'État. Donc, côté que nous avons sensibilisé les jeunes pour participer également au niveau de nos processus, la processus électoral pour participer au niveau territorial, au niveau local. Mais aujourd'hui, nous avons dit, donc, la participation maintenant, lui doit continuer même à tous les niveaux, mais au plus haut niveau, mais côté qu'il a fait en sorte que voie au passé tout côté. Donc c'est ça, donc c'est en logique de continuité au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous arrivions dans le processus électoral. On a fait ça, on a fait la première étape, mais il y a l'autre étape qui a venu, voilà. Ok, Sonny. Moi, je suis un qui est assez réticent sur la question de parler avec le monde dans le gouvernement ici. Et en pile fois, me considérer c'est en perte de temps. L'aime perte de temps, c'est parce que d'après moi, parler à un monde, c'est faut qu'il résolve pour le temps de ou. Et s'il pas résolve pour le temps de ou, faut au moins t'es parler avec des instances qui t'es capable le temps de ou. L'aime n'a pas tenu compte des situations pays. Ça c'est opinion, ça me brale dire. Nous connais monde qui l'a qui est capable diriger nous yo, yo gen met. Et ça y a fait aujourd'hui hein, c'est yo et sous l'ordre yo y. Donc parler avec eux me considérer c'est un perte de temps. Donc c'est comme si vous dites parents monde qui OK on monde qui violent qui voit un petit là violent monde l'elle finit violer ou elle dit mon nan tel te violer me considérer son perte de temps. Ça me veut comprendre sonnel pour travail n'a faire pour pas passer inaperçu pour c'est pas un perte de temps. Qui ça de concret nous ca faire pour faire mon yo prendre décision prendre parole pour yo pas prendre parole nous à la légère? Qui ça de concret nous ca faire pour moun yo prend et comme si pour l'en parler pour tant de sonnel s'il vous plaît? Je pense que le dialogue c'est toujours une première étape que nous devons entamer dans toute négociation. Dans toute négociation politique, c'est il faut commencer d'abord par le dialogue. Donc c'est une première étape. Et moi, c'est capable de l'autre étape qui va venir après.
comme par exemple des marches, de, etc., de l'autre bagage, de manifestations, ça va être de l'autre stratégie, m'dabdi, et tout. Mais j'en m'y a pas là l'autre monde. Nous même nous avons une capacité de parler avec l'autre monde tout, pour nous faire comprendre les nécessités qui gagnent pour que les jeunes participent dans le processus électoral. Pas sous base de compromission, ou de ce que nous avec et malsaine avec conseil de monde qui tombe en ligne dans la gorge, pas dans compromission ensemble avec eux, mais sous base de dialogue ensemble avec eux tout, ça va porter et faire que le monde a tout qui là pour faire une décision nécessaire pour bailler. Réponse à ça que nous gagnons comme revendication, c'est pas capable de faire. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs étapes, mais nous pas de trop vers la violence ou de la bagaille, et d'abord, on franchit étape par étape, et jusqu'à ce que nous arrivions à définir une meilleure stratégie pour que nous joignions ça nous besoin. Donc, je dis à la Mbakadou, moi-même personnellement, mais qui côté nous peut aller, mais Mbakadou, mais qui pas qui chemin directement à passer, parce que ça va dépendre de qui obstacle que nous rencontrons sous tel chemin qui a demandé nous telle ou telle déviation pour nous faire par tel ou tel autre chemin. Donc, au fur et à mesure, stratégie a changé, stratégie a modifié, mais quand même, nous comme côté que nous peut aller, nous comme côté que nous l'avons. Et également, du tout, un certain niveau de concertation avec un ensemble de jeunes, un ensemble de structures de jeunes qui existent un petit peu partout dans le pays pour qu'ensemble nous définissions les stratégies. Donc, ça, c'est Caribé et ce qui se passe là. Donc, c'est pas seulement pour les jeunes, c'est en mise en commun d'un ensemble d'autres structures de jeunes qui rejoignent nous et qui viennent faire ça ensemble avec nous. Donc, nous pensons que nous allons aller plus loin. Donc, nous, là, nous avons toujours contacté, nous avons toujours été en contact ensemble avec nous. Pour au moins nous rassembler plus de jeunes, plus de structures de jeunes, pour au moins nous capables de constituer ça comme carrière une véritable force et puis nous capables de faire pression nécessaire sur le monde qui l'a pour prendre une décision qui doit prendre en faveur de ce pour porter réponse à ça que nous avons comme revendication. Nous croyons que nous avons fait ça et il suffit que nous d'abord converger force vers une même direction et nous capables de jouer les résultats que nous avons besoin. Merci beaucoup, Sonel Joseph. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Bon, question d'abord, David. Dans combien d'élections vous votez déjà? Je ne sais pas combien d'âge non, là, vous avez fait la dernière élection. Là, dis-moi, c'est un vrai, de vrai, c'est mon 2002. On va s'en vous dire, non. On va s'en vous dire, non, pas responsable, ça va passer. En fait, ça, David dit, question, pourquoi tu vas donner une question pour le même? Non, David Zobay, qui est assez intéressé. Nous, on a voté trois fois déjà. Nous, on a voté trois fois, mais... David dit, et comme ça, Capri vient par l'hypothèse. Oui, pas c'est ça, nous-mêmes, si mon 2 millions nous dit. Est-ce que nous ne sommes pas responsables vrai? Oui, nous ne sommes pas responsables vrai. Bon, je pense que c'est ça pour l'autre problématique. Non, vous avez problème avec ça? Même quand nous sommes tous coupables, ok, c'est même continuer, non? Nous sommes tous coupables. Bon, toujours dit nous sommes tous coupables, moi-même, que nous avons voté ou pas, même pas que nous sommes tous coupables. Nous ne sommes pas coupables parce que nous sommes tous qui gagnent. Et pas nous tous qui sommes en position décisionnelle. Exactement. Donc, on a toujours mandaté un monde sous base de confiance que nous avons fait. L'élève dans la poste décisionnelle, il fait out. Même pas qu'un responsable, le fait que nous avons fait out, il trahit confiance. Comme qu'un responsable de monde qui trahit confiance. Pas qu'un responsable de ça. Nous avons fait confiance. Donc, malheureusement, il trahit confiance pour l'autre, nous oublions l'autre intérêt. Donc, là, je crois que nous sommes tous coupables. Nous ne sommes tous pas coupables et nous ne sommes tous pas jamais coupables selon moi-même. Donc, mais nous tous supposés prendre responsabilité citoyenne. Nous, c'est ça que nous croyons. Par contre, sinon, tous les deux nous croyons même avec, pour moi-même, c'est ça qui me croit. Bon, bah, c'est la question de prendre ses responsabilités, c'est l'importance capitale. Parce que chaque jour, nous remarquons, bah, chaque petit détail est compté dans la société. Donc, chaque geste ou fait, chaque action, une réaction, est-ce que vous comprenez? Donc, bah, tout ton agir, ou bien agir, la bien conséquence positive sur le pays, mais le mal agit tout, la bien conséquence négative. Et je me suis dit que je voulais discuter ça à plusieurs personnes. Qui c'est qui ça? Génération 2000, c'est une plus belle génération comme si nous connaissons. Ça me dit là. Oui. En fait, c'est pour nous parler de jeunes, de implication jeunes. Est-ce que vous comprenez? On dit plus belle génération qu'on est. Oui, bon, par contre, plus de générations, vous non, en fait. Oh, mais, génération ou l'in un livre, mon cher. Oui, mais Balifico, est-ce qu'on parle mal que. C'est un bon sens de formation qui fait ok, nous avons toujours un petit problème avec les monoréunis, nous avons dit qui ça a comme résultat. Mais lors d'un sens de formation qui fait, et comme c'est pour autant de démons qui parlent,
ouais quand pile jeune c'est mon demi-lieu et se comprennent ouais peut-être les gars dans 200 ouais pas pile jeune qui a c'est mon demi-lieu qui a impliqué ou yo vraiment on a envie de qu'on implique au tout mais amis franchement mais ça m'a vive là ça m'a vive là si pas qu'on implique au qu'on y a un bac ouais une table bien les institutions qui là sauf que même trouver pour l'âge yo bon c'est bah mon petit mon demi-lieu à faire c'est extraordinaire. Par exemple, défunt Liliane Pierre-Paul, qui est une salle de mémoire que finira de chanter récemment là. Donc lui-même, il était impliqué de très jeune. Très jeune, il est impliqué, qu'on peut filer, il est impliqué de très jeune. Et puis l'autre monde dans la société, il est impliqué de très jeune. Mais on est d'accord que souvent, implication, il y a l'autre monde qui dévie, il y a l'autre monde qui est toujours gonzé parmi eux, vous comprenez? Donc, moi, c'est donc, je me dis, donc, nous ne sommes pas responsables, je connais David d'accord, les responsables. Si David soit voté dans la prochaine élection, comment est-ce que vous venez là? Bon, mon cher, bon, beaucoup connaît si je vais voter. Bon, on connaît parce que faut que moi, un programme candidat, faut que moi, forme tête candidat. Pour moi, est-ce qu'il y a une vraie qui mérite? Mais si vous voulez voter, même si vous ne mettez pas confiance, vous voulez voter quand même. Vous voulez voter? Non, non, moi, même pas, je ne suis pas style de monde comme ça. Pour mal dépasser la caméra, pour mal faire abstention. Ah, mais faire abstention, c'est contredire, ou du moins contre-carrer au monde qui n'a pas voulu vous quitter. Bon, en tout cas, même ça, c'est position PAM, ça, c'est position PAM. Que m'oblige à accepter. Que m'oblige à accepter. Même dans le moment là, moi-même, c'est l'école livrée, ça me besoin de la cité, même cette musique là, moi. Faut que nous qu'on ait tête, nous. Bon, tu t'es bien. Bon, tu t'es bien. C'est une musique, c'est une musique, c'est une musique. Qu'on ait tête, David. Qu'on ait en avant tous et de pied ferme, car nous voulons faire ressentir que par des sous-lois trépiderme coule un sang pur prêt à jaillir pour te laver, pour te défendre de toute injure à ton renom. À tous ceux-là qui veulent attendre à te salir, on dira non. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours dans la main, nous irons, la tête à Pierre et au réponse. Oui, pour l'honneur de notre race, il nous en faut des hommes forts, tous de l'élite ou de la masse, unissons-nous dans cet effort, pour rénover notre patrie, que tes enfants soient vigoureux, belle Haïti, mère chérie, toujours vaillante comme nos preux. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente.